championne de Tchécoslovaquie. Pour m'assister dans ce commentaire, Tristan Alric, mon confrère du journal L'Équipe, considéré comme le journaliste français qui connaît le mieux le hockey en France. Et tout de suite, disons que nous assistons à une surprise ici dans la patinoire de Megève, puisqu'après 7 minutes et 11 secondes de jeu effectif, eh bien c'est l'équipe du Dukla de Jihlava, qui n'est pourtant pas favorite, qui mène à la marque grâce à un but réalisé au cours de la 4e minute de ce jeu. But marqué donc par les Tchécoslovaques et Tristan Alric. On peut dire que ce match, du point de vue du scénario, ne peut pas mieux commencer, car les Soviétiques menés vont devoir faire le jeu. Absolument, Pierre. Je crois que la première surprise, il faut l'annoncer parce que le match arrive en cours. Dès la première minute de jeu, nous avons vu Moscou qui avait l'opportunité de marquer un but puisqu'il jouait à 54. Il y avait un joueur de Tchécoslovaque en prison. Ils n'ont pas su saisir cette opportunité. Puis nous avons vu également Jihlava à la 3e minute qui de nouveau s'est retrouvé donc à 54 à son tour. Et puis finalement, ce but fantastique, il faut le dire, à 6 minutes 19 de Valek, qui a ouvert le score pour Jihlava. Et je crois que, comme vous venez de le dire, Pierre, c'est un match qui risque d'être très serré. Et on s'attendait d'entrer à une mainmise de Moscou, et ce n'est pas le cas. Les présentations ainsi faites, intéressons-nous directement au jeu. Au moment où je vous parle, c'est l'équipe de Dukla de Jihlava qui procède à un changement de joueur. Et on va faire une mise au jeu dans la zone défensive de l'équipe tchécoslovaque, avec une équipe soviétique dominée qui court donc après le score, alors que à l'instant même c'est Tchernik qui avait récupéré ce palais. La défense tchécoslovaque est toujours bien groupée, bien organisée, mais face à l'Union soviétique, il va falloir être très très attentif, car j'ai l'impression que Tikhonov, le coach soviétique, a dû donner des consignes. Tandis qu'Henri Carrier vous montre au ralenti le but de la 6e minute, auquel vous n'avez pas pu assister en direct, mais que voici en différé. Alors, comme vous voyez, le palais, il y a eu un tir de revers juste au bord de la cage. Je dois dire que c'est très difficile pour un gardien de but d'arrêter ce genre de tir. Voilà. Alors, sur l'aile droite, là-bas, Drodzeski, l'ailier de l'équipe soviétique, et un contre tchécoslovaque qui ne profite pas. Récupération du palais maintenant par l'équipe de Moscou, et notamment par l'intermédiaire de Starikov. Et pour l'instant, le jeu a l'air de se concentrer dans la zone neutre. Aucune équipe ne parvenant à prendre le pas sur l'autre. C'est le round d'observation après ce but surprise des Tchécoslovaques à la 6e minute du jeu. Ah, il faut dire que les duels entre les hockeyeurs tchèques et les hockeyeurs soviétiques sont toujours très serrés, et on s'en rend compte une fois de plus. Il y a toujours cette émotivité qu'il y a dans les matchs entre ces deux pays. Les Russes ont beau être les meilleurs joueurs du monde, parce que je crois qu'ils le sont, dès qu'ils rencontrent les Tchécoslovaques, c'est tout de suite autre chose. Ils sont décontenancés un peu par leurs adversaires. On s'en est rendu compte, Pierre, à Prague, au dernier championnat du monde, où tout le monde s'attendait à une victoire vraiment écrasante des Soviétiques. Et puis finalement, les Tchèques ont emporté 2-1. C'est la finale de la Coupe d'Europe des clubs. On pourrait dire aussi que c'est la finale militaire entre l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie, puisque le CSKA de Moscou est l'équipe de l'armée, tout comme le Dukla de Jihlava, dont on pourrait dire, pour trouver une comparaison, qu'il est le bataillon de Joinville de l'équipe tchécoslovaque. Le numéro 9 qui était à la lutte ici, c'était Krutov, mais qui s'est fait prendre le palais par Kashka. Là encore, la défense de l'équipe tchécoslovaque est très attentive, et il faut l'être face à ce que l'on peut considérer comme de meilleur au monde en ce qui concerne la première ligne d'attaque soviétique. Oui, au sujet de cette première ligne, je crois qu'il faut quand même souligner la présence d'un joueur extraordinaire à l'avant, c'est Makarov, le numéro 24, qui est actuellement le meilleur buteur du RSS depuis 5 saisons consécutives. Et lorsque l'on sait le niveau du hockey sur glace en Union soviétique, on se rend compte de la valeur de ce joueur. Viktor Tikhonov, le coach de l'équipe de Moscou, je veux dire, et de l'équipe du RSS. Viktor Tikhonov qui a été contesté en Union soviétique quand l'équipe de RSS s'est fait prendre le titre de championne du monde par l'équipe de Tchécoslovaquie à Prague il y a quelques mois, mais qui a conservé quand même la confiance de ses supérieurs pour diriger cette très très belle mécanique qui est le CSKA de Moscou, qui joue, je l'ai oublié de le préciser, mais vous l'aviez déjà deviné, en rouge donc, et qui menace à l'instant même Brisa, le gardien tchécoslovaque. Applaudit pour cet arrêt, Brisa, alors que petit à petit la patinoire de Megève se remplit. Megève qui a remporté le titre de champion de France il y a 2 ans, et qui a été toute la semaine la capitale européenne du hockey sur glace.
Mechev qui, soit dit en passant, a joué également cette Coupe d'Europe, mais je dirais dans les premiers tours, et qui a été éliminé par le club finlandais de Tappara Tampere, qui lui-même a été éliminé de la course, si je puis dire, par Jihlava, sous les scores de 9-6 et 4-1. Les Soviétiques qui font la pression dans la zone défensive tchécoslovaque. Récupération là, du palais par Beniak, international, l'un des hommes forts de cette sélection tchécoslovaque. Une passe à destination de Valek sur l'aile gauche, et puis une interception soviétique tout de suite pour enrayer encore une offensive tchécoslovaque. Changement de joueur du côté de l'équipe de Jihlava. Jihlava se situe à une centaine de kilomètres de Prague. C'est une garnison militaire. Jihlava qui a né à son troisième titre national cette année. Le palais par Kashka sur l'aile droite, le défenseur tchécoslovaque. Ça passe, mais une mauvaise aspiration, un tir redoutable, redoutable ce tir de Pazek, et qui oblige Belogeskin à une parade, mais le tir n'était pas dans le cadre. Et une relance maintenant des Soviétiques, avec encore un tir lointain, cette fois par l'intermédiaire de Veselov, qui a pu détourner Brisa, le gardien tchécoslovaque, très sollicité en ce moment. Je crois, Pierre, que là, en ce moment, nous assistons à un bras de fer assez serré. On ne peut pas dire qu'une équipe prenne le pas sur l'autre. Il y a vraiment des actions de chaque côté qui sont vraiment très belles. L'arbitre de ce match est un Finlandais. Il s'agit de M. Jarlavo. Il est assisté d'un autre Finlandais, M. Pomoel, et d'un Français, M. Katlin, tandis qu'Henri Carlier vous montre cette action ralentie. Alors, vous voyez le tir d'assez loin, presque de la ligne bleue, et qui a été quand même bien arrêté par le gardien de but. Le banc de l'équipe du CSKA de Moscou. Vous savez qu'en hockey sur glace, on a droit à des remplaçants et on peut les faire entrer à n'importe quel moment du jeu parce que c'est un jeu extrêmement rapide et épuisant. Mais fut un temps, Tristan Alric, on n'avait pas le droit aux remplaçants. Et oui, parce que si nous vous remontez dans le temps, il y avait des patinoires à l'époque ici à Chamonix notamment, dans les années 20, et où il y avait 7 joueurs pendant tout le match. Et je dois dire que lorsqu'on sait ce que c'est que le hockey sur glace, pour l'avoir pratiqué à un faible niveau, c'est vrai, je peux vous assurer que c'est pas facile de rester pendant 20 minutes sur la glace. Oui, parce qu'on perd 2 à 3 kilos au cours d'une partie de hockey sur glace. Et en plus, à ce niveau-là, qui est le meilleur niveau du monde, les chocs sont extrêmement violents. On a affaire à des athlètes entraînés comme des professionnels. Ils ne font pratiquement que cela, les joueurs de l'équipe tchécoslovaque et les joueurs de l'équipe soviétique. C'est pour ça que dans ce concert-là, les Français qui en sont encore au stade du hockey promotionnel ne peuvent pas rivaliser face à ces deux formations que vous voyez sur la glace en ce moment. Encore sollicité la défense tchécoslovaque, mais elle s'en sort bien. S'en sort bien, et puis on s'aperçoit que les Soviétiques, contrairement à ce que l'on pouvait penser, n'arrivent pas encore à avoir un jeu mécanique, si je puis dire, comme ils ont l'habitude de jouer. Et pour l'instant, les passes sont assez imprécises pour l'instant. Encore un changement volant. Larionov maintenant en position déviée, qui cherche Krutov au centre. Un contre maintenant. Et une relance tchécoslovaque sur l'aile gauche. Malheureusement pour lui, Pivomka n'a pas pu tirer. Gêné qui était par un défenseur et but peut-être. Non. Non, mais là il a eu beaucoup de chance, Belogeskin, sur ce tir qui a été contré par un de ses défenseurs, alors qu'il avait la vue pratiquement cachée. Et aussitôt maintenant les Soviétiques qui se portent en attaque. Les Soviétiques qui font jouer actuellement la meilleure ligne, la première ligne, avec Makarov, Krutov et Larionov à l'avant, Fetisov et Kazatonov à l'arrière. On ne peut pas faire mieux. 12 minutes et 19 secondes de temps effectif dans ce premier tiers-temps, toujours 1 à 0 pour l'équipe de Tukla de Jihlava. Pour l'instant donc, les Soviétiques super favoris de cette Coupe d'Europe de hockey sur glace n'ont pas la médaille d'or. Le numéro 12 ici sur votre écran que vous montre Henri Carlier, eh bien c'est Sherban, une des pièces maîtresses de cette équipe tchécoslovaque, alors qu'on procède maintenant à une mise au jeu dans la zone défensive de l'équipe de Jihlava. Et les Tchèques repartent à l'attaque là. À une interception. Ah, il avait bien vu Kazatonov. C'est un des meilleurs défenseurs soviétiques. L'arrière de l'équipe du RSS. C'est le meilleur 5 possible de l'équipe du CSKA de Moscou que vous voyez en ce moment sur la glace. On ne fait pas mieux, Pierre, je crois, actuellement au monde. Et d'ailleurs, la preuve en est donnée puisque certains joueurs de cette ligne ont été repêchés par des professionnels. C'est le cas notamment de Fetisov, qui a été repêché par les Canadiens de Montréal. Mais je ne pense pas qu'il ira de toute façon. Si les 5 joueurs soviétiques qui étaient il y a quelques instants sur la glace étaient canadiens ou américains, ils gagneraient des fortunes. C'est certain. Et là, ils gagnent des grades dans l'armée soviétique. Larionov aussi, il faut le citer, qui a été repêché par le Buffalo.
Sabres de Buffalo. Mais alors, il faut dire peut-être aux téléspectateurs ce qu'est un repêchage au hockey sur glace, parce que ça peut paraître un peu bizarre. C'est un recrutement, dirons, pour essayer de trouver un terme assimilé en France. Si vous voulez, pour ne pas trop désorienter les téléspectateurs, il faut dire que chaque année, en fin de saison, il y a un marchandage, si je puis dire. On essaye de, les clubs professionnels essayent d'avoir les meilleurs joueurs dans le monde entier. Et puis il y a des repêchages, des listes. Hein, une cotation. Voilà, une cotation. Et puis les joueurs sont... comme en bourse. Voilà. Pendant ce temps-là, les Tchèques à l'offensive qui récupèrent ce palais maintenant par l'intermédiaire de Kachka qui revient sur ses pas, peut donner un de ses partenaires. Alors que le gardien de l'Union de l'équipe de Jihlava a abandonné ses partenaires pour permettre à un joueur de champ de venir en supplément sur la glace. En effet, Pierre, il y avait une pénalité retardée que l'arbitre finlandais a signalée. Et Zubkov, d'ailleurs, vient de s'asseoir sur le banc de la prison. Alors là, de nouveau, une opportunité assez intéressante pour Jihlava de prendre le large, si je puis dire, enfin de mener 2-0, on va voir. 4 joueurs soviétiques sur la glace contre 5 joueurs tchécoslovaques, puisque est en prison à l'heure actuelle un joueur soviétique. L'occasion aussi de dire qu'en hockey sur glace, à n'importe quel moment, le gardien de but a le droit de rejoindre le banc des remplaçants pour permettre à un de ses partenaires de venir en complément sur la glace. C'est un risque, c'est un coup de poker. Mais il arrive parfois que ce coup de poker peut être utile pour changer la situation de jeu. Là, je crois que les Tchécoslovaques ont essayé, avec un joueur de plus sur la glace, essayer de mettre en pratique leur tactique que l'on a pu voir aux entraînements et qui est assez impressionnant. Sejba, attention à Sejba, il est redoutable. Il n'a pas fait un gros match depuis le début de cette Coupe d'Europe, mais en Coupe du Monde, il avait été le héros de l'équipe nationale de Tchécoslovaquie, marquant notamment 3 buts qui permettaient à la Tchécoslovaquie de remporter précisément la Coupe du Monde. Le palais maintenant est récupéré par l'intermédiaire de Bykov, un peu seul, qui attend du soutien et qui se fait mettre en échec. Alors rendez-vous compte, Pierre, vous voyez actuellement l'équipe soviétique qui avait 4 joueurs sur la glace et leur adversaire en avait 5 et qui domine, qui se retrouve dans la zone d'attaque des Tchèques. Inquiétude, l'inquiétude se lit là sur le visage de Veselov en premier plan, le moustachu, parce que le temps passe et l'équipe soviétique est toujours donnée à la marque 1-0. Et voilà Valek, le numéro 9 tchèque, qui va également en prison, ce qui va rééquilibrer les forces en présence, tout au moins pour une minute. Oui, car l'équipe tchécoslovaque n'a pas su profiter de sa supériorité numérique pour marquer un deuxième but face à l'équipe du CSKA de Moscou. Et en général, quand on est en supériorité numérique, évidemment, c'est la meilleure occasion de marquer un but. Surtout à ce niveau-là. Et le but annule après la prison. Pour l'équipe qui se trouvait au moment du but en infériorité numérique. Tir de Stelnov, qui n'a pas inquiété Brisa, le gardien tchécoslovaque, et une relance tchécoslovaque. Une entrée de zone là par l'intermédiaire de Delana mais qui ne peut contrôler le palais. Récupéré maintenant par Horacek. Horacek pour Delava. Et une intervention de Babinov qui envoie très loin devant en destination de Guzarov. Et le gardien Brisa de l'équipe de Dukla de Jihlava était sorti de sa cage pour empêcher le soviétique de contrôler ce palais. Je remarquerai, Pierre, que normalement il devait y avoir dégagement interdit, mais devant le danger et la situation, le gardien de but a préféré sortir et bloquer le palais dans le coin. Pour donc la remise en jeu se fera quand même dans sa zone. Dégagement interdit en hockey sur glace, c'est une action qui pénalise l'équipe qui a été coupable d'avoir envoyé le palais au-delà de 3 lignes, à condition que la 3e ligne soit celle de but. Voilà, c'est-à-dire il faut que le palais ait franchi la ligne qui se trouve au fond de la patinoire et sur laquelle se trouvent les cages. On considère que c'est un acte d'anti-jeu. On se débarrasse comme ça du palais sans construire quelque chose et on pénalise donc l'équipe qui a commis cette erreur. Makarov, le meilleur joueur soviétique là-bas à la lutte, le long de la bande et qui reçoit le soutien de Larionov et l'intervention de l'arbitre finlandais, M. Gerlaveau. Makarov, je le répète, est un énorme joueur, vraiment un joueur extraordinaire. Le 24. Le 24, qui non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été 5 fois sacré meilleur buteur de son pays en URSS, mais également meilleur buteur des derniers championnats du monde à Prague. Dans cette équipe du Dukla de Jihlava que vous voyez ici, ne figurent que 6 joueurs de l'équipe nationale tchèque. C'est déjà pas mal quand on sait que c'est l'équipe championne du monde. C'est exact. Et il faut souligner qu'il y avait un 7e joueur normalement qui devait venir, Svoboda. Malheureusement, officiellement, si vous voulez, on a dit qu'il avait des problèmes à la cheville, mais son frère est en partie aux États-Unis, enfin au Canada, au Canadien de Montréal.
Je pense qu'il y a eu quelque part une sanction contre ce joueur et il n'a plus le droit pour l'instant de sortir de son pays. Encore 5 minutes de jeu effectif. Entrée de zone de Pivonka qui a tiré de loin sans inquiéter Belozovski, le gardien soviétique. Et une relance tout de suite de l'équipe de Moscou sur la droite par Makarov. La première ligne de l'équipe soviétique pour Larionov, pour Kazatonov et un tir contré. C'est récupéré maintenant. Regardez le placement des Tchèques. En carré devant la cage. Kazatonov. C'est le meilleur joueur du monde là. Larionov. Fetisov le capitaine. Larionov pour Kazatonov. Qui n'a pas pu contrôler cette rondelle. Récupéré par Larionov. Fetisov sur la droite. Appel de palais, oui, de Larionov, mais un contre, une interception du défenseur tchécoslovaque et un palais sur lequel se couche Belozovskine, le gardien de l'équipe de Moscou. Sortie très spectaculaire, mais je crois que le gardien ne pouvait pas faire autrement. C'était très dangereux, il y avait Sejbak qui était là, prêt éventuellement à marquer le but. Belozovskine, dont je souligne au passage qu'il n'était pas titulaire au début de cette Coupe d'Europe, et c'est lui qui a pris la place de Tichnik. En effet, à la faveur des matchs disputés précédemment. En effet, puisque Tichnik a finalement gaulé qu'au premier match. Et je dois dire que malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu savoir exactement pourquoi. Dans la zone défensive de Tchécoslovaquie, zone neutre maintenant. Un palais qui s'en va mourir derrière la ligne de but du gardien Brisa. Et les soviétiques sont toujours maîtres de ce palais. Attention là à Starikov. Tir. Ouh là là, un superbe tir de Tchernik. Une déviation et un but. Il fallait s'y attendre. Les soviétiques sont très redoutables dans ce genre de jeu. Où la défense tchèque était un petit peu désorientée par le mouvement des joueurs. Je pense qu'on va revoir ce but au ralenti, ça y est. Vous voyez le déplacement des défenseurs tchèques sur le côté gauche, ce qui permet au... Mais voilà. Alors, Brisa avait esquissé une parade, il a eu droit à un sursis, mais la deuxième fois, il était pris complètement. Un très beau but. Et voilà les soviétiques qui égalisent donc après 16 minutes et 34 secondes de jeu dans ce premier tiers-temps, 1-1 entre les deux équipes. Et pour l'instant, grâce à ce match nul, l'équipe du CSKA de Moscou est assuré de remporter la Coupe d'Europe. Oui, puisqu'il faut signaler que en cas de victoire ou de match nul de la part du CSKA de Moscou, c'est les Russes qui remporteraient la Coupe d'Europe. Oh, cet appel de palais superbe. Et le but, oh. Et le but non moins superbe, marqué par Komutov, qui était complètement démarqué. Entre les jambières. Qui s'était fait oublier, complètement sur l'aile gauche. Qui a appelé le puck, qui a reçu une passe superbe et qui est venu dribbler ce pauvre Brisa entre les jambières. Qui ne pouvait rien faire, un petit pont. un oui. petit pont. Ah oui, comme au tableau noir. Vous voyez, la machine soviétique est en train maintenant de se mettre en route après un round d'observation et une difficulté dès les premières minutes. Et bien, l'équipe du CSKA de Moscou vient de marquer maintenant 2 buts en l'espace de 2 minutes et vient de prendre maintenant l'ascendant sur son adversaire. C'est très important psychologiquement. Les Russes ne sont jamais aussi forts que lorsqu'ils sentent qu'ils ont le match en main. Et je crois que là, ils vont essayer de maintenir leur pression. Regardez, ils sont maîtres du palais maintenant. C'est une mauvaise passe de Babinov qui va essayer de le récupérer, ce palais. Pas pour l'instant. La défense tchécoslovaque s'en empare par l'intermédiaire de Sherban. On relance. Ah, mauvaise passe, interception de Babinov. Allez, Tchécoslovaque maintenant, oui, mais ils subissent quand même la pression soviétique et ont de la peine à sortir de leur zone défensive. On s'en rend compte par la mauvaise qualité des passes. Les passes sont pas assez fortes, pas assez précises. Sur l'aile droite, là-bas, Zibin, mise en échec le long de la balustrade par le défenseur Urban de l'équipe de Tchécoslovaquie. Relance de Gilava par l'intermédiaire de Parti. Sejba, tir contré. Pivonka plutôt. Ah, c'était pas mal vu. C'était pas mal beau vu de la part de Bozek, oui. Beau tir de revers, mais qui était un petit peu loin. Koutov maintenant sur l'aile gauche, qui descend le long de la balustrade, passe derrière le gardien Brisa, essaie de trouver un partenaire, trouve Makarov.
par Makarov qui était hors jeu, qui avait pénétré dans la zone alors que le palais était encore dehors, était ressorti. Ça sera difficile, je pense, pour le Tchèque de reprendre le dessus. On sent que les Soviétiques là commencent à prendre en tenaille cette équipe. Tristan, l'occasion est peut-être d'expliquer aux gens pourquoi justement l'arbitre, dans ce cas-là, siffle leur jeu. Oui, il y a un principe de base au hockey sur glace qui est très simple à comprendre. Il faut que lorsque vous rentrez en zone d'attaque, le palais vous précède. Si le palais est précédé par un joueur de l'équipe qui possède le palais, on siffle hors jeu. C'est toujours le palais qui doit être le premier, sauf un cas exceptionnel, c'est lorsque vous êtes en marche arrière. Et ça arrive souvent d'ailleurs au hockey sur glace. La marche arrière fait partie de la panoplie du joueur de hockey. Il faut être Il faut avoir un très bon maniement de palais. Oh, cette mise en échec le long de la balustrade, tout à fait autorisé d'ailleurs. Larionov qui a pu passer maintenant. Larionov qui a sollicité à nouveau le palais, essaie de passer, cherche un partenaire, oui, mais là c'était un peu trop téléphoné et la défense tchécoslovaque ne s'est pas laissée surprendre. Une relance immédiate par Bozek sur l'aile gauche. Bozek, tu es un peu seul, Bozek, contre 4 soviétiques. Essaie de passer en force, finalement perd le palais, récupéré par Larionov. Sur l'aile droite, là-bas pour Makarov. Alors que Krutov se place en embuscade. Krutov dans la... Oh là là, c'était superbe. La déviation de la passe était superbe. Quel appel de Krutov qui se trouvait à la réception de cette passe. Mais Brisa avait fermé l'angle de tir. Pachek est bien seul sur cette action. Oh oui, bien seul. Désorganisé complètement là, les Tchécoslovaques. En cette fin de premier tiers-temps, il ne restait plus que 30 secondes à jouer. Et les Soviétiques sont en train de faire peser sur le match à la fois leur talent et leur métier. Les Tchèques, il y a 10 secondes la possibilité d'égaliser peut-être sur cette action, ça l'est aperçu. Une mauvaise passe de nouveau et ça a été... Ils ont ruiné toute leur action. Changement de joueur dans l'équipe de Dukla de Jihlava. On va procéder aussi à un changement de joueur dans l'équipe du CSKA de Moscou. Mais je précise que les deux équipes ne sont pas obligées d'effectuer des changements de joueurs en même temps. Et que dans les nouvelles règles qui font leur apparition cette année, par exemple, comme au basket, on va pouvoir bénéficier d'un temps mort au hockey sur glace. Absolument, on peut l'annoncer à la télévision. Il y a actuellement des nouvelles règles qui ont été annoncées. Et donc la plus importante, est il y aura un temps mort de 30 secondes par match. Et but. Troisième but soviétique alors qu'il reste 10 secondes à jouer. Troisième but soviétique. Là, évidemment, la défense tchécoslovaque s'est fait dominer de la tête et des épaules et n'a rien pu faire pour protéger ce pauvre Prisa, victime d'un tir à bout portant qui a fait mouche. Et vous remarquerez, Pierre, que c'est le deuxième but marqué du côté gauche de la cage. Un joueur bien placé. Troisième but, le CSKA, marqué par le 3-1, je crois que là, les Soviétiques ont pris une bonne option avant la mort du deuxième tiers-temps. C'est Trotsky, le numéro 13 de l'équipe soviétique, qui a marqué ce but, alors qu'en ce moment, vous voyez à l'œuvre Chernit et que le chronomètre s'arrête. La sirène retentit pour nous signaler que c'est la fin de ce premier tiers-temps, qui voit donc l'équipe de l'Union soviétique menée devant l'équipe du Dukla de Jihlava par 3 buts à 1. Après avoir été mené 1-0. Les joueurs vont maintenant retrouver les vestiaires. On va refaire la glace. Ça va durer environ un quart d'heure, un petit peu plus d'un quart d'heure. Pendant ce temps, nous allons rendre l'antenne à Paris où nous attend le petit Pierrot. Pierre Fula, c'est à vous. C'est pour le joueur soviétique, 5 contre 5 sur la glace. 3 buts d'avance pour le CSKA de Moscou. On va procéder à une mise au jeu. Je vais me risquer un pronostic, Pierre, mais je crois qu'à mi-parcours, je vois mal maintenant comment le Dukla Jihlava va pouvoir remonter cet handicap. Enfin, il ne faut pas oublier qu'en face, il y a 12 joueurs qui ont été médaillés à Sarajevo aux Jeux Olympiques de 84. Si Henri Carrier le pouvait, pendant ses arrêts de jeu des 5 dernières minutes du deuxième tiers-temps, on essaierait de revoir les 3 premiers buts inscrits au début du deuxième tiers-temps et qui ont permis justement aux Soviétiques de faire le break. Tandis que pour l'instant, à l'attaque, la deuxième ligne de l'équipe du CSKA de Moscou. Derrière la cage, c'est l'affolement, derrière la cage de Brisa. Les défenseurs tchécoslovaques sont soumis à rude épreuve. Là, sur l'aile gauche, là-bas, c'est Vezelov, qui essaie de passer en force. Mais Vlach récupère le palais maintenant pour Dukla de Jihlava. Ah oui, une belle passe qui était destinée à Paul Carr,
Polcar un peu isolé, qui se fait prendre le palais, qui récupère Polcar et qui le repère à nouveau. Récupération par Stelnov pour les soviétiques, puis un plongeon de Belozeskin. Qui est sorti à temps, je dois le dire, il a plongé littéralement, il a lâché sa crosse pour récupérer ce palais. On va revoir cette action. Regardez, derrière la cage de Belozeskin. Regardez bien le gardien de but, qui plonge, il lâche sa crosse et il plonge dessus. Comme une parade. Alors il faut préciser que les gardiens de but ont les mains remarquablement bien protégées par des gants extrêmement durs pour éviter évidemment les coupures dues aux lames des... Des gants qui sont en fait un plateau d'un côté et une mitaine de l'autre. C'est des boucliers pour ainsi dire. Et qui ont une fonction bien précise. Zoukov, là, le géant de l'équipe du CSKA de Moscou, s'est fait prendre le puck. Un tir lointain de Mika. Les Tchèques contrôlent toujours la rondelle par l'intermédiaire de Bozek. Bozek pour Mika. Mika qui n'a pas réussi à garder le palais. Slapshoot qui est passé au-dessus de la cage défendue par Brisa. Récupération du palais maintenant par Mika sur l'aile droite. Sejba, non, Pivanka avait récupéré, mais l'arbitre avait sifflé hors jeu. Pas l'air de s'amuser, ce joueur du CSKA de Moscou. Avec un petit zoom arrière, on va pouvoir l'identifier. Quand ce numéro qu'il porte sur l'épaule, il s'agit du numéro 11. Le célèbre moustachu. Et bien c'est Veselov. Veselov. Récupération maintenant par Starikov pour l'équipe de Moscou. Et Babinov. Allez, mise en échec le long de la balustrade, Koutov. Sejbak a réussi à intercepter ce palais. Oui, mais celui-ci est récupéré par Starikov. Fetisov, le capitaine. Mauvaise passe. Interception, oui. Pasek, Sejbak. Valek, solide Valek, agressif même souvent, mais là il n'a pas eu la loi. C'est Kachka qui récupère et qui peut redonner maintenant à Tchernik. Le Tchèque commence à mieux faire circuler le palais depuis quelques minutes. Fetisov pour Moscou. Krutov à l'aile droite. Koutov toujours. Oui, une pénalité. Il a été gêné dans son mouvement. Et Jilava va pouvoir jouer à 5 joueurs contre 4. Et il reste 3 Pardon, minutes à Moscou. Jouer. Il reste 3 minutes à jouer. Faute tchécoslovaque. Dukla Jilava réduit à 4 contre 5 soviétiques sur la glace de la patinoire de Megève. Jilava qui se retrouve en infériorité numérique. Kazatonov. Fetisov. Ah oui, un coup portant pratiquement, il était là, notre Stelnov national. Mais Horacek a eu un réflexe vraiment très très bon, il s'est allongé sur la glace. Et croyez-moi, il faut avoir du courage devant un tir pareil. Petitov. Vassiliev. Vassiliev toujours. Kazatonov. Tir, déviation de Brisa. Le gardien tchécoslovaque. Ce n'est pas fini pour les soviétiques. Kuzarov tire et arrêt de Brisa. Brisa qui était très bien placé, vous voyez, juste dans l'angle de son territoire de but. Il avait bien fermé ses angles et il était pratiquement impossible de le tromper. Très important pour un gardien de but de savoir se placer exactement dans l'angle de tir de son adversaire. Toujours 3 buts d'avance pour le CSKA de Moscou. Un petit peu plus de 2 minutes à jouer dans ce deuxième tiers-temps.
à 5 contre 4 des Soviétiques sur la glace. Soviétiques qui mènent toujours 5-2. Zatonov. Zatonov. Fetisov tire. Déviation.